Bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième épisode sur le labyrinthe zoo. Dans cet épisode, nous allons faire une zone un petit peu halloweenesque avec les chauves-souris et les ânes de Somalie. Je vous laisse les accélérer, je vous retrouve à la fin. Bon visionnage. Thank you.
Je vais tout de suite vous montrer ce qui a été fait en off, car j'ai travaillé sur ce qu'on a fait hier, ça m'a donné des idées. Donc on va tout de suite aller voir ce qui a été fait. Ça va être une partie un peu, comment dire, à l'abandon du labyrinthe. Voilà, ici on a une première petite scène avec des chauves-souris, des araignées, des champignons. J'ai mis beaucoup de végétation aussi, on peut le voir comme ici. Il manque de l'air à certains endroits, la végétation a été posée. Ça va être un peu comme si cette partie-là a été abandonnée. Donc ici, on voit déjà un petit peu plus que ça se corse. Donc voilà. Puis ici, on arrive à un moulin, à l'abandon. Donc c'est un plan du jeu que j'ai pris, que j'ai modifié un petit peu. Et puis quand on se retourne, on voit ici Meunier Tueur. Donc ça va faire un petit peu une zone macabre dans ce zoo. Donc on peut voir crime, on peut voir assassin, meurtrier. On peut dire qu'on a un meunier tueur dans cette partie du zoo. Ah, je suis monté au-dessus. Hop. Donc c'est pour ça que le zoo est à l'abandon. Donc on arrive ici, on voit des citrouilles blanches qui représentent un petit peu des esprits ou autres. Alors ici les lampes sont basses, c'est normal, c'était voulu. Et on voit qu'il y a plein de végétation, plein de sang. Donc voilà, on voit Aurore ici marqué. Bon, je l'ai fait à deux reprises. Et ici, on a encore des lanternes. Donc c'est vraiment pour faire comme si le meunier venait tuer dans les ruines des gens. Je sais pas, on peut faire toute une histoire un peu sombre. Donc ici, j'ai réajusté le portail, j'ai rajouté des pelles. Ici, j'ai fait un genre de petit bonhomme bizarre. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de végétation au-dessus. Donc ça fait vraiment à l'abandon. Et alors, j'ai rajouté des murs... en ruine, j'ai rajouté des petits autocollants, beaucoup de végétation sapin aussi pour faire un peu plus dans l'effrayant. Et donc ici j'ai enlevé les rochers qu'il y avait sur le côté et j'en ai laissé que quelques-uns, j'ai vraiment fait un lieu à l'abandon. Voilà, ça va être une partie un peu gore du labyrinthe, parce que le labyrinthe peut être aussi associé à Halloween, on en voit beaucoup à Halloween. Il y a beaucoup de végétation, plein de trucs qui font peur. Donc j'aime assez bien cette partie. Donc voilà pour la petite visite. Aujourd'hui on va s'attaquer au vivarium qui se trouve là-bas en début. Et ici on va mettre les ânes de Somalie. S'il y a assez d'espace, moi je l'espère. Comme ça les ânes pourront être associés au menu. Voilà le programme un petit peu du jour.
nous retrouvons après ces accélérés où une zone un petit peu horreur a été faite dans cette partie du labyrinthe. On va tout de suite aller visiter. Alors, on arrive par ici où un petit peu de végétation est mise. Une scène avec des araignées, des chauves-souris, une lune a été faite. Aux endroits importants de la fumée a été mis. Ici, nous avons les vivariums, comme si quelque chose a été cassé. Voilà, il manque de la haie et on a un petit peu de végétation. Hop, on continue notre visite. On arrive par ici où la végétation se densifie un peu plus. Nous arrivons à un moulin à l'abandon. C'est un plan du jeu que j'ai retravaillé. Et puis quand on arrive vraiment par ici, on voit que c'est un meunier tueur. Il y a eu des crimes. Donc ça va faire comme une zone un petit peu halloweenesque. Assassin, meurtrier. Ici on a l'arbre où il pendait ses victimes. Puis ici nous avons les ânes de Somalie. Voilà, qui se servaient pour le meunier, qui servaient aussi à traquer ses victimes. Donc voilà, beaucoup de végétation, beaucoup de ronces. Nous continuons notre visite par ici. Alors les lampes, c'est normal qu'elles sont aussi basses, c'est fait exprès. Donc sur la droite, nous avons des citrouilles blanches qui représentent un petit peu des âmes. Donc ici, on a beaucoup de ruines, des feuilles, beaucoup de végétation. Il y a aussi horreur. Nous, ici, on rentre dans un genre de manoir en ruine ou ancienne habitation. Avec ici une citrouille un peu bizarre. Ici, il a perdu son corps et beaucoup, beaucoup de végétation et de ruines. On peut retrouver aussi diverses statues. Puis quand nous arrivons par ici, nous avons des chauves-souris dans une végétation assez dense. Donc voilà. Et quand on arrive par ici, toujours aussi des ruines, des champignons, des ronces. La végétation domine beaucoup cette partie du labyrinthe, laissée un peu à l'abandon. Donc voilà ce qui a été fait. Voilà. Le petit tour a été fait. On va prendre un petit peu de hauteur. Donc voilà. Une grande forêt un petit peu lugubre. Donc voilà ce qui a été fait pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.